L'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, FIFF, a eu lieu ce samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, comme sur place constaté par Coassi. Malgré les rumeurs la veille et les débordements ce matin aux alentours de la Fondation, tout s'est relativement bien passé ce jour dans la salle. Pierre Gondeau, qui a ouvert la série des votes, fut élu président de la commission gouvernance et audit de la FIFF. Celui-ci a d'abord remporté le premier tour avec 53 voix contre 45 pour Maizan Koffi Noël avant de s'imposer avec 69 voix, 52,67%, contre 62, 47,33%, pour son adversaire. Les élections pour la présidence de la FIFF ont débuté aux environs de 18h30. Bien avant, chacun des trois candidats, à savoir Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogheba, ont eu droit à 10 minutes pour présenter leurs différents programmes à l'assistance. Après vote, notons au passage que pour la Ligue 1, ils étaient 14 clubs qui comptabilisaient 42, les 24 clubs de la Division 2 comptabilisaient 48 voix, la 3e division avec ses 38 clubs comptait 38 voix et enfin les groupements d'intérêt qui sont au nombre de 5, avec 5 voix. Voilà le total des 133 voix qui devaient s'exprimer ce jour à Yamoussoukro dans le choix du président de la FIFF. Mariam Deao Gabala, présidente du comité de normalisation de la FIFF, Conor FIFF, qui a présidé les différents travaux avec son équipe, était intransigeante. Les votes se sont achevés aux environs de 19h et les décomptes ont commencé à la suite des votes. Pour la Ligue 1, le candidat Idriss Diallo a comptabilisé 27 voix, 9 pour Sori Diabaté et 3 voix pour Didier Drogheba. Quant à la Ligue 2, Idriss Diallo comptabilise 18 voix contre 22 pour Sori Diabaté et 8 voix pour Didier Drogheba. En ce qui concerne la Ligue 3, Idriss Diallo s'en sort avec 11 voix, 18 voix pour Sori Diabaté et 9 voix pour Didier Drogheba. Enfin, pour les groupements d'intérêt, Idriss Diallo comptabilise 3 voix contre 1 voix pour Sori Diabaté et 1 voix pour Drogheba Didier. Ce qui fait un total de 59 voix pour Idriss Diallo, 46,46%, 50 voix pour Sori Diabaté, 39,37%, et 21 voix pour Didier Drogheba, 16,54%. Les candidats Idriss Diallo et Sori Diabaté s'affronteront pour un second tour à cette élection à la présidence de la FIFF. Le second tour s'est joué entre Idriss Diallo et Sori Diabaté. À la fin des votes, Yassine Idriss Diallo a obtenu 63 voix contre 61 voix pour Sori Diabaté. Idriss Diallo donc élu président de la FIFF.